et sœurs en Christ, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voici encore une fois de plus devant toi pour t'honorer, pour t'adorer, pour te louer, pour te rendre grâce, Seigneur, pour tes merveilles dans nos vies. Nous te disons merci pour cette nuit que nous avons passée. Nous te disons merci également pour ce que tu permets aujourd'hui. Merci pour ce cœur à cœur que nous allons avoir avec toi. Merci pour ta présence au milieu de nous. Chers amis, aujourd'hui nous allons méditer sur le chapitre 7 de l'Évangile selon saint Luc. Des versets 36 à 50. Dans ce passage, il nous est conté l'histoire de cette femme pécheresse qui, sachant que Jésus était invité chez un pharisien, vint. Oui, le pharisien n'a pas honoré Jésus, mais cette pauvre femme l'a fait à sa place, elle qu'on appelait la pécheresse. Mais c'est au nom de sa foi qu'elle est venue. Elle est venue rendre hommage au Dieu puissant qui était dans cette maison. Les autres ne l'ont pas reconnue, mais c'est elle, la pécheresse, qui est venue et qui l'a reconnue. Oui, comme pour cette pécheresse, Jésus est capable de faire pour toi. Il te demande juste d'avoir la foi, car cette femme n'a pas lavé les pieds de Jésus avec de l'eau. Mais elle a pris du parfum, un parfum cher. Elle a pris ses propres cheveux à elle et elle a essuyé les pieds de Jésus. Alléluia! Quelle foi! Seigneur, donne-nous d'avoir une foi comme celle de cette pécheresse. Car nous aussi, nous sommes pécheurs et nous sommes conscients de notre état de pécheur. Frère, ma sœur, cette femme savait qu'elle n'avait que Jésus pour la sortir de là où elle était. Toi aujourd'hui, moi aujourd'hui, nous tous, nous savons que nous n'avons que Jésus. C'est lui seul qui libère, c'est lui seul qui sauve, c'est lui seul qui délivre. C'est lui qui donne à qui il veut. Alors, je te demande de lui dire, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Et c'est au nom de cette foi que je viens vers toi pour te dire combien je t'aime, comme cette pécheresse, pour te montrer mon amour. Et je sais que tu feras toujours pour moi comme tu l'as fait pour cette pécheresse. Alors, avec moi, dis à ton Seigneur que tu n'as que lui. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai que toi. Pour me sauver, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Pour me délivrer, je n'ai que toi. Guérir, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Pour me consoler, je n'ai que toi, je n'ai que toi. Si tu crois, accroche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé et il ne changera jamais. Si tu crois, accroche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé et il ne changera jamais. Si tu crois, accroche-toi, tu verras qu'il est capable,
pas changé et il ne changera jamais. Si tu crois, accroche-toi, tu verras qu'il est capable. Parce qu'il n'a pas changé et il ne changera jamais. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui je te dis, si tu crois, alors accroche-toi à Jésus. Tu verras qu'il est capable de te donner ce dont tu as besoin. Toi qui cherches un travail, sache que Jésus est capable de te donner ce travail. Toi qu'on appelle la stérile, sache que Jésus est capable de te donner des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Toi qui souffres, sache que Jésus est capable de te consoler. Toi qui es malade, aujourd'hui, Jésus te montre qu'il peut te guérir et il te guérit certainement. L'espérance ne déçoit jamais. Mets ta foi en Jésus. Comme il a dit à cette femme, qu'il te dise à toi aussi, selon la mesure de ta foi, va, ta foi t'a sauvé. Que cette phrase soit ton partage aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, lui qui est vivant. Lui qui est glorieux, lui qui est compatissant. Oui, il a fait preuve de compassion envers cette femme, elle qu'on appelait la pécheresse. Alors mon frère, Jésus ne te demande que d'avoir cette foi. Si tu crois, accroche-toi, tu verras qu'il est capable, parce qu'il n'a pas changé. Et il ne changera jamais. Si tu crois, accroche-toi, tu verras qu'il est capable. Parce qu'il n'a pas changé et il ne changera jamais. Ce cœur à cœur avec toi. Merci pour les bénédictions, les miracles que tu feras encore aujourd'hui pour nous. À toi toute la gloire, à toi l'honneur et la puissance. Frères et sœurs, nous avons prié au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu fasse descendre sur toi ses grâces et bénédictions. Shalom.